Bon, comme vous pouvez voir, il pleut de plus en plus, hein. On est vraiment sur énormément de pluie de tous les côtés et la lave torrentielle est en train d'arriver, regardez. Alors pour l'instant c'est juste tout au long, mais on a de grandes chances qu'il y ait derrière une lave beaucoup plus boueuse. Là-haut, il pleut encore beaucoup hein, sur la Croix des Têtes. Donc il y a de très grandes chances qu'il y ait une lave beaucoup plus grande qui arrive. Comme vous entendez, il pleut de plus en plus. Hein. Et on a de plus en plus de vent aussi. Allez, regardez là-haut, on a vraiment beaucoup de pluie et de grêle. Hein. La grêle est arrivée de Saint-Jean. Ça coule pas mal. On a de grandes chances d'avoir une lave qui va arriver juste après. Donc là c'est la première partie, c'est la pluie. Et il est probable qu'il y ait une lave. Hein. C'est aussi probable que les autres torrents répondent. Hein. Alors, le débit a l'air d'un peu augmenté sur la partie haute. Et c'est peut-être une impression. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc il est probable hein, que cette lave arrive de la Cambre Mouillée, qui à droite, c'est toujours la première à répondre. Vous voyez, la Cambre Mouillée, c'est la première des Cambres qui répond. On dirait que le débit augmente, hein. On entend beaucoup plus de bruit. Vous voyez, le niveau sonore est vraiment en train de monter. Hein. On voit que ça augmente pas mal. Vous pouvez voir ici. Important, toujours regarder derrière. Alors, regardez là, le débit est toujours en train d'augmenter. On voit que ça passe pour les côtés maintenant. Donc c'est toujours très liquide hein, pour l'instant. Il est probable qu'on ait une vague qui arrive beaucoup moins liquide. Alors j'arrive à peu près à voir, il y a des gerbes d'eau sous la grande cascade de la Croix des Têtes. C'est probable que ça arrive beaucoup plus gros juste après. On a quand même pas mal de débit. Hein. Regardez. Alors, regardez que ça augmente encore là un peu là. Regardez.
probable hein, qu'on ait le... On ait la vague qui arrive juste après. Je propose qu'on fasse une partie 2. On va arrêter là de filmer pour l'instant, garder un peu de batterie au cas où.